Bonjour et bienvenue dans la traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. Deux fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de comptes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de niveau, des start upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Bonjour, je suis heureux, heureux de vous retrouver. Ça faisait trois mois que je n'avais pas pris le temps d'être avec vous. Trois mois pour faire un voyage intérieur où euh, la technologie ne pouvait pas être présente. Alors aujourd'hui, en plus, on retrouve euh, le dernier podcast euh, que vous avez entendu de la semaine dernière de Sophie Peters, écoutologue, journaliste, psychanalyste, coach et conférencière. Et je reviens sur les messages principaux qu'elle nous a délivrés. Alors tout d'abord, une petite citation, comme j'aime bien l'habitude de vous en donner. « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme », nous disait Carl Gustav Jung. Je le redis, « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Et puis je reviens sur la citation que nous a proposée aussi Sophie, « Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ?»« Et si je suis pour moi, qui suis-je » C'est un extrait du Talmud, si je me rappelle bien. « Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ?»« Et si je suis pour moi, qui suis-je » Ces deux citations vont nous porter durant cette traversée. Alors, dans cet épisode, je vais vous parler de la perfection ou du syndrome de la perfection ou de la performance à tout craint. De la nécessité de s'autoriser, de se permettre, versus s'interdire, se bloquer. Pourquoi on ferait ça d'ailleurs? Mais c'est pourtant ce qu'on fait. Dans la majorité des cas, on n'ose pas, on ne s'autorise pas. De la notion de beauté ou de fragilité. Elle nous dit la beauté du monde est dans la fragilité. La beauté du monde est dans la fragilité. Et puis, on parlera aussi de la honte, de la peur qui lie de notre monde ou qui nous empêche d'être nous-mêmes, on va dire autrement. Et puis, on parlera d'oser définir nos indicateurs de bien-être. Par exemple, je prendrai l'exemple de pourquoi certains d'entre nous tombent malades en vacances et seulement en vacances. Quelle mauvaise idée. Est-ce si merveilleux d'être différent Est-ce si merveilleux d'être différent ouais. Et puis dernièrement, de la capacité à trouver sa place. Et je finirai évidemment par un conte, le conte du secret qu'on trouve évidemment dans le livre Les quatre saisons pour trouver sa place dans ce monde. Alors commençons. Commençons tout de suite par le syndrome de la perfection ouais, ou de la performance à tout craint. J'ai remarqué que quand on cherche la perfection, on est tous un peu perfectionnistes, mais quand on cherche la perfection, et bien ça nous met dans une situation compliquée parce qu'on ne regarde pas ce qui... Est fait mais on regarde ce qui n'est pas fait on ne regarde pas ce qu'il ce que j'ai accompli mais ce qu'il me reste à faire et bien sûr on regarde les erreurs plutôt que ce qu'on a réussi et donc euh, beaucoup de choses deviennent des échecs des fautes des jugements des culpabilités et on condamne facilement euh, les personnes ou les actes parce qu'elles sont des fautes et à terme, ça crée chez, chez vous, chez moi, le sentiment d'être illégitime ou d'être un imposteur dans votre propre vie. Au lieu d'être exactement ce que vous devriez être, c'est-à-dire vous-même, vous essayez d'être un autre. Et puis, avec le syndrome toujours de ⁇ un jour ⁇ un jour ils s'apercevront que je ne vaux pas cela, que je ne suis pas cela, que je ne peux pas y arriver. Donc le syndrome de l'imposteur reviendra. À terme, il détruit vos rêves. C'est un rabat-joie. Alors, faites-le taire. Faites taire ce critique intérieur. Faites taire euh, ce perfectionniste en vous. Alors on, on verra un peu comment, peut-être, euh, si on a le temps, on verra un peu comment. Euh, bah tiens, pourquoi pas maintenant, d'ailleurs. Alors moi je vous proposerai de faire le calme en vous. Là maintenant, peu importe où vous êtes, au volant, chez vous tranquillement, ou en train de faire quoi que ce soit, ou d'être dans votre canapé, c'est possible aussi. Eh bien, c'est d'apprendre à faire la part des choses et de mieux vivre, mieux assumer, en fait, qui je suis. Et donc, euh, on peut utiliser des exercices de respiration, comme vous les connaissez, où j'en ai déjà proposé. La respiration ventrale. Ou bien, de prendre le temps de, de méditer. Mais je vous propose aussi, surtout, d'être au contact avec des gens simples. Des gens avec qui euh, c'est fluide, c'est léger. C'est joyeux, humble, simplicité. Voilà ce que je vous propose. Un peu comme si j'étais avec des jeunes enfants qui n'ont pas de plan pour vous ou pour eux. Ils n'attendent rien, ils sont juste là, dans le moment présent, prêts à jouer, prêts à s'amuser. Et sont donc accepter de recevoir d'eux, et pas seulement de donner, parce que beaucoup d'adultes ne font plus que donner, ne savent toujours pas recevoir. Et c'est pour ça que c'est un cycle infini, parce que vous donnez ce que vous finissez par ne plus avoir, donc ça devient injuste pour vous et pour les autres autour de vous. Donnez de votre temps à des gens qui ne vous connaissent pas, aidez-les à faire quelque chose qui compte pour eux, quelque chose de l'ordre de la gratuité. Allez passer du temps en forêt, pour moi c'est essentiel, avec de grands arbres, rester à côté d'eux, et puis... Apprenez à prendre conscience de votre rythme cardiaque et de le baisser. Vous pouvez évidemment travailler en sylvothérapie avec des gens qui vont vous guider. Mais simplement, simplement, être vous-même tranquillement, sans jugement. Et continuez à apprendre de nouvelles choses. Soyez toujours prêt à être enseignable, comme on dit. Soyez prêt aussi à admettre vos erreurs ou à ne pas savoir. Soyez reconnaissant de ce qui vous est enseigné. Donc pas savoir c'est l'opportunité de savoir plus tard. Si je dis que je sais, eh bien on m'enseigne pas, on me dit pas la suite puisque je prétends que je sais. Donc j'ai pas le temps d'apprendre ou j'ai peu l'occasion d'être challengé sur d'autres choses, d'autres savoirs. Et puis ça me permet aussi moi pour ma part de développer la gratitude et la simplicité de la vie, de d'associer euh, ces moments présents à un temps calme, à développer mon écoute aussi avec euh, mon écoute, euh, l'écoute de moi-même, l'écoute des autres. Et ça m'éloigne de cette idée de perfection. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin toujours de, de ressentir une forme de perfection ou, ou d'atteinte de performance, euh, comme si tout était objectif? Bien sûr que je suis pour me fixer des objectifs. Mais par moments, je prends le temps d'accepter que ces objectifs euh, même euh, soit au repos, comme les temps de Jachère que je vous ai déjà proposé, mais aussi simplement parce que par moment il est utile de ne pas se fixer d'objectifs, de laisser euh, les choses se faire pour essayer de voir ce qui se fait justement, ce qui se trame, ce qui est au-delà de vous. Et euh, dans, cette, euh, dans ce calme-là, dans, ce, dans cette attente, et dans cette non-impatience, donc sans avoir à développer de la patience, simplement d'être bien là, et eh bien ça me permet moi de d'être dans un, dans un repos profond, dans un bien-être. Donc c'est le deuxième sujet pour moi, c'est oser définir mes indicateurs de, de bien-être. Et souvent, euh, je, je vous ai donné ça comme exemple tout à l'heure en vous disant que je voyais des gens qui étaient systématiquement malades et ça m'est arrivé de temps en temps de me dire, ah, qu'est-ce qui fait que c'est juste le lendemain que c'est fini, de l'objectif, de l'atteinte de je ne sais quoi, et eh bien le lendemain ou le surlendemain, je... Voilà, j'ai une crève, je, je suis fatigué. Bon, une crève, c'est pas neutre comme terme, hein d'accord okay. Donc voilà, c'est un pneu crevé, quoi. Et donc j'ai besoin de m'arrêter, c'est ce que ça veut dire, et urgemment. Ça veut dire que j'ai pas entendu les symptômes. Bien sûr que j'ai développé tout ce qu'il fallait pour pouvoir continuer, donc j'ai secrété eu suffisamment de dopamine pour continuer, mais là il faudrait plutôt de la sérotonine. Il faut plutôt du repos. Et donc ça accepter que régulièrement il est nécessaire de de s'écouter pour que je, je puisse prendre conscience que oui il faut que je continue oui je suis blessé oui je suis fatigué oui c'est difficile et je dois atteindre cet objectif par exemple si c'est vraiment essentiel et en même temps prendre conscience qu'à un moment à autre il faudra pour prolonger euh, ce temps de vie sur terre eh bien s'occuper de soi sinon euh, la vie me rattrapera pour d'autres sujets et finalement peut-être que mon temps ici sera plus court que prévu. Donc est-ce que je veux euh, brûler la chandelle par les deux bouts Certains apparemment euh, préfèrent ça, Ils préfèrent être euh, célèbres dans le peu de temps qu'ils ont et c'est pas grave si on, on supprime le temps de vie. Je pense pas que ce soit la bonne réponse mais une fois de plus chacun, chacun devra trouver son... Son, son mode de fonctionnement. Alors, elle nous parle aussi de la beauté du monde. Et elle nous dit que c'est dans la fragilité. Donc j'aime cette idée de, de, de mettre à côté la beauté et la fragilité. Quand on voit une fleur, c'est ce qu'on peut se dire. Une fleur, c'est la beauté. Et c'est fragile. En plus d'être périssable. Et je pense que beaucoup de choses... Beaucoup de choses sont aussi périssables, beaucoup de choses sont aussi euh, fragiles. Les sentiments qu'on a, qu a les uns pour les autres sont fragiles si on ne les entretient pas. L'amitié, l'amour, bien sûr, mais aussi euh, la tendresse. Beaucoup d'autres choses qui sont essentielles et qu'il faut savoir euh, garder pour soi pour qu'on puisse progresser ensemble. Donc comment, euh, comment je continue à intégrer la beauté dans mon quotidien comment je continue à intégrer euh, la fragilité dans mon quotidien. Et euh, la fragilité n'est pas pour moi une, une source d'alerte, de, de peur, plutôt euh, une source d'émerveillement. Ce qui est fragile a besoin d'être protégé et a besoin de mon attention. Donc euh, voilà, ça me permet de prendre conscience, prendre de l'attention. Et donc, euh, ma santé peut être fragile, même si pour l'instant elle ne l'est pas. Et donc, euh, prendre ce temps intérieur pour se reconnecter à soi-même. Pour moi, c'est ça qui est essentiel dans cette idée de définir des indicateurs. Si vous êtes des entrepreneurs, vous avez l'habitude de définir des indicateurs pour vous. Pourquoi pas de votre bien-être Pourquoi pas du bien-être de votre équipe Pourquoi pas du bien-être de votre projet même Voilà. Et. Euh, est-il en bonne santé ou est-il fragile S'il est fragile, il faut s'en occuper, il faut s'en soucier. Pas dans le sens euh, se mettre la rate au courbouillon, mais simplement euh, faire attention. Et euh, elle nous parlait aussi de honte et de peur. Et pour ma part, j'ai souvent remarqué que ces deux-là, associés, la honte et la peur, waouh, sont des fléaux dans notre société. La honte d'avoir peur, en plus, peuvent se mélanger, donc la honte d'avoir peur et la peur d'avoir honte. Et quand on est dominé par ces deux énergies, l'énergie de la peur, qui est entretenue par le mental, quand l'énergie de la honte est entretenue par le cœur, par la... les émotions, les sentiments, et donc euh, si ces deux-là dysfonctionnent, en fait, ils vous coupent complètement du sol, vous êtes aérien. Vous êtes coupé de la réalité. Donc en conséquence, je suis en réaction perpétuelle et pas en action. Je suis en... J'ai n... peu de chance d'aller vers le but qui m'est prédestiné. J'ai peu de chance d'aller vers la mission qui m'est proposée. J'ai peu de chance d'atteindre mes objectifs parce que la peur et la honte me feront dériver, me feront euh, louvoyer. Motos manipuleront, motos culpabiliseront et ainsi de suite. Méfiez-vous de la honte et la peur. Prenez conscience qu'elles sont là. Et prenez conscience que la réponse est souvent l'humilité, la simplicité, le lâcher prise et la respiration calme et sereine. Accepter de développer ça, c'est développer du courage, qui est, euh, si ce n'est la plus grande vertu, une des plus grandes vertus qui permet d'acquérir beaucoup, de, souvent les autres, on va dire. Oser, oser le courage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a toujours aidé de me dire voilà, si je pouvais être plus courageux, qu'est-ce que je ferais Et si j'avais été courageux, là, qu'est-ce que je ferais Et petit à petit, m'habituer à devenir plus courageux à oser faire un truc que j'avais pas encore fait. Et donc ça revient au sujet à quel moment je m'autorise, à quel moment je me permets. Et dans beaucoup de choses que j'ai vues dans notre société, c'est qu'on s'interdit, on crée des lois qui sont plus contraignantes, jour après jour, ou mois après mois, année après année, et pas toujours pour de mauvaises raisons, mais, mais il n'empêche qu'on arrive petit à petit à une restriction forte de beaucoup de nos libertés. Et pourquoi on accepte ça, c'est parce que ça nous rassure. Ça nous rassure qu'il y en a qui savent. Quand nous on ne sait pas. Alors qu'en fait s'autoriser c'est justement être l'auteur de sa vie. S'autoriser, être l'auteur de sa vie. Et donc si je m'autorise ça veut dire que je peux me permettre. Je, je, je n'ai pas besoin de l'exercice d'un autre, d'un tuteur, d'un mentor. Je n'ai pas besoin d'être loyal à mon seigneur hein, parce que la loyauté est toujours inféodée à, à un seigneur. Donc à quel moment j'accepte d'être peut-être loyal tout simplement à moi-même, à mes propres idéaux. À quel moment je peux être un homme ou une femme libre Et ça ça me paraît juste fondamental dans notre société de retrouver de la liberté. Et la liberté de penser, c'est pas s'opposer. C'est pas dire n'importe quoi pour pouvoir dire n'importe quoi. C'est oser réfléchir, oser se remettre en cause. Oser euh, s'autoriser à changer de modèle tel que je l'avais conçu. Prendre du temps pour soi. Autrement. Vivre autrement. Et euh, c'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs ces trois derniers mois. Oser être euh, une autre partie de moi que je n'ai pas l'occasion de faire au quotidien. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui a à voir avec... Euh, accéder au, au merveilleux qui est en moi, à l'être merveilleux que chacun de nous peut être ou a été, des moments de grâce qu'on a pu vivre et puis qui sont fondamentaux pour, pour rester en contact avec euh, l'indicible, l'invisible pourtant qui est là et qui s'exprime souvent par par beaucoup de moyens mais que on regarde ou qu'on regarde pas. Un petit peu comme quand on communique et qu'on écoute que les mots alors que le non-verbal, le paraverbal s'exprime. Tellement de choses nous sont proposées, à qui sait les regarder, ça fait la différence. Et pour moi, c'est cette opportunité d'être merveilleux, d'être différent, euh, mais aussi de regarder ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble. Parce que ça, c'est l'universel. Oser l'universel. Oser être ce que potentiellement tout humain être par exemple être amour par exemple euh, être en joie bien sûr qu'il y a d'autres émotions par exemple la tristesse qui va avec la joie on peut être en colère aussi ça peut être juste et puis euh, avoir honte bah, c'est une émotion sociale donc il faut accepter qu'elle va se produire et puis euh, avoir peur, c'est normal. Ça permet de développer euh, de la vigilance. Donc tout ça, c'est c'est juste de la conscience que l'on met dans, dans ces états d'être. Et ça, c pour moi, c'est ça qui va faire la différence à un moment ou à un autre. C'est qu'on pourra être en contact avec qui nous sommes vraiment au moment où nous le sommes, pour que nous soyons dans le moment présent et plutôt que quelque chose qui serait euh, en permanence en interaction avec ou mon passé ou mon futur. Chaque fois que je suis en difficulté à chaque fois que je m'occupe de personnes et je le vois sont en difficulté, que ce soit des dirigeants, des sportifs de niveau ou euh, des, des artistes. Eh bien, je vois souvent que au moment où je leur dis quelque chose, que je leur propose quelque chose, que ce soit physique ou, ou, ou mental, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de l'apnée qui va se mettre en œuvre. Et bien sûr que on passe en apnée, c'est naturel. C'est le non-relâchement qui est un problème. C'est pas l'apnée. Mais le fait de ne pas relâcher une apnée forcée maintient de la tension dans mon corps et euh, le cumul de tout ces, toutes ces tensions, toutes ces apnées non relâchées, provoque à terme des maladies, Pro provoque du stress à un, à un très haut degré. Et euh, on peut se redire là, cette phrase Si je ne suis euh, pas pour moi, alors qui le sera ou comme je crois nous l'a dit Sophie une fois si je ne suis pas là pour moi qui le fera donc être là pour soi ou être présent à soi pour prendre conscience de qui je suis de mon potentiel pour moi ça c'est essentiel dans dans tout ce que nous vivons et grâce à ça ça nous permet de justement d'accepter d'être d'être différent tout en étant capable d'accepter d'être aussi comme chacun. La différence nous permet des fois de, de, de trouver sa place, mais parfois elle, elle nous met en difficulté. Parce que la différence amène aussi un ostracisme, voire du racisme, de l'intransigeance, de l'intolérance. Et donc retrouver sa place et aussi se re retrouver dans un groupe, se retrouver avec ceux avec qui je me sens bien. Qui peuvent être ceux qui sont comme moi. Donc, comment trouver sa place Comment garder le cap de cette place Et souvent, ça a à voir avec justement cette connaissance de soi et, euh, et de le faire davantage. Moi, j'ai une technique qui s'appelle agrafe ton cas. Donc, fais un peu plus de ce que tu es jusqu'au moment où bah, tu en fais trop. Et, et agrafe ton cas, ça permet souvent de mieux savoir effectivement mon potentiel parce que je crois que j'en fais trop, peut-être que j'en fais pas du tout trop. C'est euh, comme euh, un comédien à qui vous demandez d'en faire un peu plus, et puis euh, jusqu'à présent, bah, il est très en dessous du niveau. Un chanteur qui chanterait tout bas. Eh bien, euh, on ne peut pas vraiment corriger les choses. Faut il faut qu'il en fasse plus pour qu'à un moment donné, il dit Ah ouais, ouais, c'est ça, exactement prend cette note-là, prends cette, note cette attitude-là, prends ce sentiment-là, et euh, tient la ligne. Voilà. C'est ton fil rouge et ça va fonctionner. Eh bien, c'est ça dont je parle. Arriver à trouver la justesse dans ce que l'on est. Et pour ça, il faut arriver à se lâcher. S'autoriser une fois de plus. Et donc, dans trouver sa place, il y a s'autoriser à la trouver. Accepter de ne pas s'asseoir toujours sur la même chaise pour voir quelle est la différence. Alors, j'avais envie de finir par un conte qui s'appelle le... le conte Le Secret. Qui est tiré du livre Quatre saisons pour trouver sa place dans ce monde. Et eh bien ce, ce, ce conte commence ainsi. C'est l'histoire de deux hommes que tout rapproche aujourd'hui, mais que tout opposait par le passé. Je veux parler de Soliman et d'Aylin. Soliman était un sultan, un roi. Et Aylin, qui n'était qu'un esclave, était devenu le conseiller du sultan. Eileen signifie le bouclier en arabe, et en turc, clair de lune. Eileen, clair de lune, c'est le nom qu'on lui avait donné, parce qu'il avait la peau claire et quand il était enfant, il était un peu la risée des autres. Mais comme il avait un beau visage et un esprit vif, il avait pu s'en sortir. Cependant, il n'était resté qu'un esclave. Un jour qu'il errait près du palais de Soliman, il fut recueilli. Soliman reconnut en lui ce clair de lune. Il reconnut en lui la bonté qui émane de certains hommes, et au fil du temps, il en fit son conseiller, son confident, lui, l'esclave. Il alors fit beaucoup de jaloux. Nombreux étaient ceux qui cherchaient sa perte. Soliman était un conquérant, et il aimait dominer, il aimait l'autorité. Et au contact d'Eileen, il découvrit la gentillesse, la bonté, la générosité. À eux deux, il permettait au royaume de Soliman de vivre en paix et en prospérité. Et de cet esclave misérable, Soliman en avait fait un conseiller épanoui. Il goûtait ses paroles chaque jour et ses conseils avec appétit. Et comme je vous l'ai dit, nombreux étaient ceux qui cherchaient la perte d'Aylin. Le vizir, qui avait comme fonction de protéger le roi, avait fait en sorte de savoir tout ce qui se passait dans le royaume et en particulier dans le palais et plus particulièrement de connaître tous les faits et gestes d'Ayline. Un soir, il alla rapporter au sultan quelque chose qui lui semblait comme une bizarrerie. En effet, un de ses hommes lui avait confié que tous les soirs, son conseiller s'enfermait dans une pièce, seul. Il y restait des heures et en ressortait toujours seul. Et lui seul, avait la clé de cette porte. Étrange, non Que pouvait-il bien faire là Le vizir décida de s'en servir contre l'esclave, car pour lui, Aïlin n'était resté qu'un esclave. S'inclinant devant son souverain, il lui dit « Majesté, majesté, vous n'ignorez pas que je passe une bonne partie de ma journée à organiser votre précieuse sécurité et je surveille tout le monde. Or, on m'a rapporté... Aileen, votre esclave, chaque jour ou plutôt chaque soir, après avoir quitté, après vous avoir quitté, pardon, on va s'enfermer dans une chambre basse, au fin fond d'un couloir obscur et personne ne sait ce qu'il y fait. Et quand il en sort, il prend bien soin de verrouiller la porte derrière lui. Il semble qu'il n'y ait qu'une seule clé et il la porte sur lui. Un peu renfrogné, Soliman le congédia. Le vizir. Se retira discrètement, mais satisfait d'avoir troublé le roi dans son cœur. Il savait que ses paroles bien amenées avaient semé le doute. Effectivement, Soliman était pensif. Il fit appeler Eileen et lui demanda, avant même de l'avoir saluée, Ami, ne me caches-tu rien? Rien, bien sûr, monseigneur, répondit Eileen. Et si je te demandais ce que tu fais dans la chambre où tu vas tous les soirs après m'avoir quitté, me le diras-tu Aileen baissa la tête et répondit Non, mon Seigneur Le cœur de Soliman se durcit. Aileen, serais-tu en train de m'être infidèle Je le suis. Je le suis, Seigneur. Le roi soupira. Comment est-ce possible Comment, toi, peux-tu me faire cela Il le congédia. Le soir venu, quand Aileen sortit de sa chambre secrète, il se trouva nez à nez avec Soliman, le vizir et toute sa garde. Ouvre cette porte lui demanda Soliman. L'esclave serra la clé dans sa main et hocha la tête, refusant d'ouvrir. Le sultan le bouscula. Si tu ne me laisses pas rentrer dans cette pièce, la confiance que j'ai en toi sera morte. Nous sommes frères. Veux-tu que notre amitié soit détruite à jamais Aileen baissa le front et il laissa échapper la clé de sa main. Le vizir s'emprassa de la ramasser, ouvrit la porte et fit entrer le roi. Soliman s'avança dans la pièce obscure. Elle était vide. Elle était aussi humble que vide. Une vraie cellule de serviteur. Au mur pendait un vieux manteau rapiécé. Il y avait aussi un vieux bâton et un bol, semble-t-il, de mendiant. Rien d'autre. Et comme l'ensemble de l'assistance restait muette, Aïlin leur dit... Je viens dans cette chambre tous les jours. Pour ne pas oublier qui je suis, je suis un errant dans ce monde, et je sais. Soliman, tu me combles de faveurs, tu me combles tous les jours de beaucoup de biens, mais mes biens véritables sont ce manteau rapiécé, ce bâton et ce bol. Tu n'as pas le droit d'être ici. Ici commence le royaume des pèlerins perpétuels. C'est mon royaume. Ne pouvais-tu le respecter Entendant ces mots, Soliman s'inclina et baissa, et baissa la tête. Puis il baisa le pan du manteau de l'esclave. Pardonne-moi, pardonne-moi si tu le peux, lui dit-il. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À bon entendeur, salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr. Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau. Ou bien, pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, surtout, abonnez-vous. Pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.